Tatiana, Mokhtaria, Marie-Hélène. Les disparus de la gare de Perpignan. C'est le nom que la presse a donné à ce qui restera comme l'un des plus longs et des plus célèbres cold cases de France. On a la quasi-certitude qu'on est devant une affaire exceptionnelle parce que la scène de crime est exceptionnelle. Cette affaire, c'est celle d'un tueur en série qui a hanté la PJ de Perpignan pendant 17 ans. Son nom, Jacques Rançon. Son terrain de jeu, le quartier de la gare. Ses proies, il le disait lui-même, les jeunes et jolies brunes à gros seins. Des femmes qu'il a tuées et dépecées, avec une précision et un sadisme qui ont trompé les experts et mené les policiers sur la piste d'un chirurgien ou d'un boucher fou. On a fait également une chasse à l'homme, une chasse aux détraqués sexuels de la région, comme rarement ça a été fait. Pendant 17 ans, les policiers ont trébuché. Des ratés, des fausses pistes, des suspects parfaits. Pour nous, c'est la catastrophe, c'est l'échec ultime. Mais leur persévérance a fini par payer. Et la science a eu raison du tueur de la gare. Jacques Rançon, c'est un psychopathe. Un vrai de vrai. Un assassin hors norme, dont le bilan criminel pourrait s'allonger encore. Bien au-delà de Perpignan. Vers 8h45, un riverain de la rue Ningesser et Colli ouvre la fenêtre de sa chambre et il y a un terrain vague juste en face et il voit un corps. Dimanche 21 décembre 1997, on est à 4 jours de Noël. Les policiers du commissariat de Perpignan sont les premiers à arriver sur le terrain vague qui borde la rue Ningesser et Colli. Bientôt rejoint par leurs collègues de la PJ. Quand l'affaire démarre, je suis chef de l'antenne de police judiciaire de Perpignan depuis un peu plus de 3 ans. C'était le début de ma carrière. On a la quasi-certitude qu'on est devant une affaire exceptionnelle parce que la scène de crime est exceptionnelle. On a un corps d'une jeune femme qui est dénudée complètement, qui est sur le ventre, les jambes écartées. Manifestement, des ablations importantes, des coups de couteau reçus sur le côté, presque exposés sur ce terrain vague. Donc oui, la scène de crime est exceptionnelle déjà. Le corps présente de multiples plaies au thorax. À l'évidence, il a été saccagé à l'arme blanche. Les jambes portent des griffures et des ecchymoses. Les deux seins ont été découpés. Au niveau du sexe, une plaie béante. Les parties génitales et anales ont disparu. Les policiers retournent le corps. Le visage est intact. La victime porte une bague à chaque main. Les policiers retrouvent alentour une boucle d'oreille, une écharpe noire et un tampon hygiénique dans une flaque de sang. Et c'est tout. Pas d'autres vêtements, pas de sac à main, pas de papier. Tout ça, pratiquement au centre-ville de Perpignan, dans un terrain vague qui a la vue de multiples riverains.
Est-ce que le meurtre s'est déroulé sur ce terrain vague ou est-ce que le corps a été amené sur ce terrain vague et que la jeune fille s'est faite tuer ailleurs ? Beaucoup de questions, mais déjà une réponse. Le substitut du procureur, appelé sur place, se souvient de ce visage. Un an plus tôt, il avait ordonné le placement de la jeune femme en foyer d'accueil en raison de ses mauvaises relations avec son père. Elle s'appelait Mokhtaria Shaib. Elle avait 19 ans. Les rigidités cadavériques laissent penser que le décès remonte à une douzaine d'heures. On assiste à l'autopsie du corps de Mokhtaria. Elle a reçu une douzaine de coups de couteau sur le côté gauche, dont 5 qui ont été mortels puisqu'ils ont atteint le cœur. Les organes sexuels ont été entièrement amputés et à l'évidence emportés par l'assassin, car on n'a rien retrouvé sur place. L'absence de sang sous le corps prouve qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Les mutilations ont donc eu lieu après la mort. Et elles n'ont rien d'un charcutage. L'expert estime qu'il a fallu 1 heure à 1 heure et demie pour mutiler ainsi Mokhtaria. Les médecins légistes indiquent qu'il faut avoir des connaissances en matière médicale et anatomique pour procéder à ces ablations. Ils font même référence à des techniques médicales des années 70. Certains disent même que l'auteur ne pouvait pas être seul, il fallait absolument suspendre le corps à des étriers, en pleine lumière. Les conclusions de ces experts-là étaient de dire il faut chercher un médecin. Première tâche des policiers, retracer l'emploi du temps de Mokhtaria, depuis la veille, le samedi 20 décembre 1997. Le soir, elle va dîner avec un ami à elle qui habite pas très loin du quartier de la gare. Et puis, en fin de soirée, tout début de nuit, elle va quitter le domicile de cette amie-là pour rejoindre la cité universitaire. Le copain est mis hors de cause. Pas de piste non plus du côté des amis de Mokhtaria, ni du côté de sa famille, avec laquelle les relations étaient peu harmonieuses, notamment avec son père, qui n'appréciait pas que sa fille aînée vive à l'européenne. C'était une jeune fille qui avait eu une jeunesse assez difficile et qui venait d'avoir son émancipation. Elle était étudiante à la fac de Perpignan. Elle avait obtenu une chambre dans la cité universitaire qui lui permettait d'avoir son indépendance. Elle rêvait de devenir infirmière. Et ce soir-là, c'est parce qu'elle voulait rentrer chez elle qu'elle avait quitté la personne avec qui elle avait passé la soirée, qui était un ami, et qui lui avait dit « Mais il est tard, reste dormir à la maison. » Elle avait dit « Non, non, je vais rentrer chez moi. » Mokhtaria est partie à pied de chez son ami vers 22h30. Elle a remonté l'avenue qui mène à la gare. Puis logiquement a dû emprunter la rue Courteline, la rue Ribert, avant d'atteindre l'avenue Ningesser et Colli qui mène à la cité universitaire. Tous les riverains et commerçants sur le trajet sont interrogés. Mais rien. Un mois après la mort de Mokhtaria, un habitant de l'avenue Ningesser et Colli contacte la police. Dans son jardin, à une centaine de mètres du terrain vague, il a trouvé, dans la haie, une chaussure de femme, à talons, pointure 40. Et ce riverain va percuter immédiatement avec l'affaire Mokhtaria. On va récupérer cette chaussure, on va la mettre sous scellé, mais surtout on va la présenter aux amis et à la famille de Mokhtaria, qui vont être unanimes pour nous dire « c'est la chaussure de Mokhtaria ». Les policiers inspectent alors tous les jardins de l'avenue et bingo. Dans le jardin d'une autre maison, sous une haie de laurier, le pied droit.
déclic, la découverte de ses chaussures, c'est enfin un élément matériel dans cette enquête. Oui, c'est un élément matériel important qui va en amener un autre, parce que quand on retrouve ses chaussures, elles sont posées presque délicatement. Et on se dit, c'est un piéton qui les a posées. Et si c'est un piéton, c'est peut-être bien quelqu'un qui habite le quartier. Alors, du point de vue de la génétique, on n'en est pas encore, comme aujourd'hui, avec une police scientifique moderne. Le FNAEG, le fichier automatisé des empreintes génétiques, n'existe même pas. Il va être créé en 1998. Il faudra attendre 2003 pour qu'on y mette les noms des auteurs d'infractions à caractère sexuel, les AICS. Mais il n'empêche que ces chaussures vont être gardées dans un scellé. Un scellé qui va être très précieux pour la suite de l'enquête. Et à l'époque, pas de portable et pas non plus de caméra de surveillance. Non. Et les policiers sont en panique. Il faut aller vite parce que face à ce qui paraît être un crime rituel, l'auteur pourrait bien recommencer. Dans ce début d'enquête, c'est un petit peu tout qui accentue l'émoi de la population à Perpignan et voire au-delà. Mokhtaria est très vite devenue, peut-être grâce à tout ça, en tout cas grâce à sa personnalité, elle est devenue un petit peu la fille de tous les gens de Perpignan. C'était la petite Mokhtaria. C'était très affectueux de la part de la population d'en parler de Mokhta. Dès les premiers jours de l'année 98, une piste sort les policiers de l'impasse. Et le 5 janvier exactement, il y a un enquêteur de la Sûreté départementale de Perpignan qui rédige un procès-verbal dans lequel il relate qu'il a un renseignement sur un individu, soi-disant médecin de nationalité péruvienne, qui exercerait à l'hôpital de Perpignan et qui habiterait pas très loin de la découverte du corps de Mokhtaria et qui aurait des comportements suspects dans la vie de tous les jours. L'homme s'appelle Andrés Palomino Barrios. Il habite dans une résidence à 200 mètres du terrain vague où l'on a retrouvé le corps de Mokhtaria. Et en effet, c'est un drôle de bonhomme, ce Palomino. C'est quelqu'un qui a un passé judiciaire, qui a déjà été en prison pour du vol de matériel médical. On n'est pas du tout sûr qu'il soit médecin. L'homme, âgé de 49 ans, est interne à l'hôpital de Perpignan, avec pour toute référence la photocopie d'un diplôme péruvien. Depuis son arrivée en France en 1980, Palomino Barrios écume les centres hospitaliers du Sud. À chaque fois, il se fait virer. Ses voisins le décrivent comme marginal, taciturne. La police l'interpelle donc le 22 janvier, un mois après la mort de Mokhtaria. Et là, on arrive dans un capharnaüm le plus total, très sale, pratiquement taudis. Et donc là, on va évidemment essayer de retrouver un élément qui puisse nous relier à Mokhtaria. Malheureusement, non, on ne va rien trouver. En garde à vue, Palomino Barrios ne lâche rien. Il n'a jamais vu Mokhtaria et Jack l'éventreur, c'est pas lui. La difficulté, c'est que l'intéressé, en fait, c'est un escroc. Et comme tous les escrocs, il ment. Et donc, il va nous mentir sur son emploi du temps, du week-end du 20 et 21 décembre, puisqu'il va dire que ce week-end-là, il est allé à Mataró, en Espagne, et qu'il a dormi dans sa voiture. Alors que le dimanche matin, des voisins l'ont vu arrivé avec son fourgon et qui dégoulinait d'eau. En fait, il venait de laver son fourgon le dimanche matin. Et donc, on a analysé le fourgon, les affaires, pour se rendre compte qu'il n'y avait rien. Mais on était dans un système où, normalement, on est présumé innocent. Là, on est présumé coupable parce qu'on n'a pas le comportement adapté. Il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui étaient convaincus que c'était lui. Mais ça reposait sur du feeling. Hein. Et puis ceux qui doutaient un peu plus de la culpabilité de Palomino Barrios, parce qu'encore une fois, il n'y avait aucun élément matériel. Médecin de pacotille, escroc, propriétaire d'une camionnette qui a pu servir pour découper le corps de Mokhtaria, Andrés Palomino Barrios a beau crier à la machination, il fait un coupable idéal.
Le juge le met donc en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, en droite ligne vers les assises. Mais 3 mois après la mort de Bokhtaria, le 9 mars 1998, en fin de journée, une jolie brune de 19 ans est agressée devant chez elle. Rue de Belfort, à 1 kilomètre de la gare de Perpignan. Elle s'appelle Sabrina. Je m'affaire à préparer mon repas et puis j'entends des cris, vraiment des hurlements que je qualifie souvent de bestiaux parce que c'était pour moi vraiment terrifiant. Je sors de chez moi et sur mon pas de porte, j'arrive à comprendre que le bruit vient d'un porche qui se trouve au 10, juste en face de mon habitation. Je vois une personne allongée, je vois les pieds, et une personne agenouillée juste à côté. Marilyn se précipite, l'agresseur se sauve en courant. Je vois qu'il a dans les mains un couteau, avec une lame quand même conséquente. Je réalise donc que ce ne sont pas des coups de poing, mais ce sont des coups de couteau, parce que bon, il y avait du sang, évidemment, du sang partout. Hein. Du sang. Marilyn ne voit plus que ça, et en oublie le visage de l'homme au couteau. À partir de ce moment-là, j'ai un blanc. J'ai été quand même choquée de cette scène hein, qui était vraiment horrible, quoi, terrifiante. Et le sentiment surtout que la personne qui justement était donc en train d'agresser la petite Sabrina était vraiment déterminée à la tuer. Dominique, Sabrina s'en est sortie, mais elle est traumatisée. Est-ce qu'elle a pu expliquer des choses aux policiers ? Bien sûr. Elle va déposer plainte au commissariat de Perpignan. Elle va raconter l'histoire. Ce soir-là, elle est sous un porche. Il fait nuit, elle attend son petit copain. Et un homme arrive qui titube, il est ivre. Il sentait l'alcool, dit-elle aux policiers. Il marche vers elle et il lui dit « Tiens, je viens de fêter mon anniversaire, je travaille à Saint-Charles. » Saint-Charles, c'est une zone industrielle à côté de Perpignan. Et il trébuche. Elle l'aide à se relever, il lui dit « j'habite dans l'immeuble », elle l'accompagne jusqu'à la porte de l'immeuble, et puis il fouille dans sa poche, elle pense qu'il est en train de chercher un trousseau de clés, en fait il sort un couteau, et avec ce couteau il la poignarde 2 fois, une fois sous le sein, et une autre fois au niveau du nombril, et il remonte la lame jusqu'au sternum. Il lui a parlé ? Ouais, il lui a parlé, il lui a dit « je vais te tuer ». Elle parle d'un regard glaçant. Elle a pu le décrire ? Ouais, il est pas très grand, les cheveux châtains, peut avoir une 40aine d'années, il a des yeux bleus, et puis elle donne ce détail, il a les dents toutes abîmées, toutes cariées, il a les dents toutes noires. Une tentative de meurtre, au couteau, dans le quartier de la gare, sur une jeune femme de 20 ans. 3 mois après le meurtre de Mokhtaria, ça t'aurait rappelé des choses aux policiers, non ? Ça aurait dû, Rachid, mais ça va pas se passer comme ça. Cette affaire, l'agression de Sabrina, elle va être prise par la sécurité publique de Perpignan, commissariat de police. L'autre affaire, Mokhtaria, c'est la PJ, la police judiciaire de Perpignan, avec un juge d'instruction. En fait, dans l'affaire Sabrina, le parquet ne va pas ouvrir d'informations, donc encore moins prévenir le juge d'instruction qui travaille sur le dossier Mokhtaria. C'est un vrai raté entre les services de l'État. Et moins d'un an plus tard, début 1999, l'agression de Sabrina va être classée sans suite au motif que l'auteur est inconnu. Il va falloir attendre 15 ans pour que cette affaire ressorte. C'est un nouveau crime, 3 mois après l'agression de Sabrina, qui va réellement donner l'alerte. Le 26 juin 1998, en début de matinée, au sud de Perpignan, près de l'autoroute, dans une décharge sauvage,
un chiffonnier à découvert, dissimulé sous un tapis et des cartons, un corps de femme en décomposition. Il manque la tête, les poignets, elle a été éviscérée. La partie génitale et anale a été enlevée. Mais dans ce cas-là, les découpes sont complètement, radicalement différentes avec celles de Mokhtaria. C'est grossier. On dirait que le meurtrier s'est acharné sur le corps. Elle est nue. Elle est en position du fœtus. Un peu plus loin, d'ailleurs, on retrouvera un ceinturon dans un buisson. Des incisions sur le thorax, la hanche, la cuisse. À 2 mètres du corps, dans un carton, un tas de chair en décomposition, sans doute les viscères de la victime. Mais la tête et les mains sont introuvables. La dépouille doit être là depuis au moins une semaine. Là, c'est sûr que avec la scène de crime de Mokhtaria 6 mois avant, un trait de temps aussi court à Perpignan, avoir 2 jeunes filles qui se font tuer, éviscérer, etc. Là, on se dit, on est devant un gros problème. Impossible d'identifier la victime. Mais la police judiciaire a déjà fait le rapprochement avec la disparition, 10 jours plus tôt, d'une jeune femme de 22 ans. Marie-Hélène Gonzalez, brune, jolie. Elle s'est évanouie dans le quartier de la gare, comme Mokhtaria. C'est la PJ qui était venue à la maison et pour me dire qu'ils avaient trouvé un corps. Autour du corps, il y avait des vêtements. Et j'étais soulagée parce que j'ai dit, non, c'était pas elle. Parce qu'il n'y avait rien autour d'elle, aucune affaire à elle. Alors je sors, je dis à mon mari, je suis contente que c'est pas Marie-Hélène, parce qu'il n'y a rien à elle. Le soulagement des parents Gonzalez est de courte durée. Les expertises génétiques sont formelles. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit elle. Non, je ne pouvais pas imaginer. Non, parce que c'était une petite qui était quand même dégourdie. Elle s'est méfiée quand même des gens. C'est pas possible que ce soit elle. Il y avait la colère et tout qui montait. Je ne le croyais pas. Je ne croyais pas mes yeux. Marie-Hélène travaillait à Argelès-sur-Mer, à 25 km de Perpignan. Elle m'a téléphoné comme quoi elle arrivait avec les trains de 9h. Et justement, moi, je travaillais, je n'ai pas pu aller la chercher. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, maman, je me débrouillerai. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Aucun témoin n'a vu Marie-Hélène. Elle faisait souvent du stop pour rentrer chez ses parents. Sortie de la gare, rue Courteline, rue Ribert, jusqu'au carrefour du café Figuère, où les autostoppeurs ont l'habitude de lever le pouce. À partir de là, ça suffit pour emporter au sein de la police judiciaire à Perpignan notre conviction qu'on avait affaire au même tueur pour Mokhtaria et pour Marie-Hélène. Et ce criminel n'est donc pas Andrés Palomino Barrios. Le Péruvien a un alibi en béton pour le meurtre de Marie-Hélène. Il était en prison. Du coup, il sort après 8 mois derrière les barreaux. C'est vrai qu'on l'a mené tout doucement vers une condamnation. Et je pense que personne n'est à l'abri d'une erreur, mais personne n'est à l'abri d'une sanction de cet ordre. Et c'est ça qui est vertigineux dans ce dossier. Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Et les mémoires se réveillent, car les policiers fouillent leur vieux dossier. Et avec ce nouveau meurtre, une troisième affaire refait surface. La disparition, 3 ans plus tôt, dans le quartier de la gare, de Tatiana Andujar, une fille de 17 ans.
Tatiana s'est évaporée le 24 septembre 1995. Après un week-end chez des amis à Toulouse, elle est rentrée en train à Perpignan. Elle avait promis à ses parents qui habitaient un petit village à 15 km de la gare d'être là pour le dîner. Plusieurs témoins la voient, donc ça c'est une certitude. Et puis on la voit téléphoner d'une cabine téléphonique comme si elle attendait quelqu'un ensuite. Et puis se diriger vers la rue Ribert. Et puis là, elle s'est volatilisée. Plus aucune piste, plus aucune trace. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On a tout imaginé. Au départ, on a imaginé que peut-être, après tout, peut-être pour qu'elle avait fugué. Mais les jours passant, c'était impossible. Peut-être qu'elle est tombée dans un réseau de prostitution. Le père de Tatiana se rend dans des bars de prostituées en Espagne pour voir s'il n'y a pas Tatiana, parce qu'on nous avait dit avoir vu une jeune fille brune qui ressemblait à Tatiana. Et on surveille des camps de gitans, parce qu'on nous a dit on l'a vu dans un camp de gitans, donc on part le soir, on guette les allers-retours. On devient fou. Sans résultat, les recherches ont été abandonnées au bout d'un an et demi, au désespoir de ses parents. À l'été 98, l'assassinat de Marie-Hélène Gonzalez provoque donc la réouverture du dossier Tatiana. Tatiana, Moctaria, Marie-Hélène. Désormais, les disparus de la gare de Perpignan pour l'histoire judiciaire. L'ombre d'un tueur en série se dessine au pied des Pyrénées. À l'époque, la figure du tueur en série est encore une figure un peu américaine. Or, vers la fin des années 90, il y a justement des tueurs en série français qui sont arrêtés. Je pense à Guy Georges, je pense après à Patrice Allègre. Et donc, à la fin des années 90, à Perpignan, on se dit « à notre tour ». Les parents refusent de laisser sortir leurs enfants, y compris de 17-18 ans, les lycéens. Il y a vraiment cette terreur qui plane sur Perpignan et qui déborde sur le département. Quand on travaille sur cette affaire-là, on sort à Perpignan, tout le monde vous parle. Ah, vous travaillez dans la police, et alors, où vous en êtes? Tout le monde vous parle de cette affaire-là. Plus de 100 policiers sont sur le coup. Un des problèmes, c'était la gare de Perpignan. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ratissé ce quartier des jours, des semaines, des mois, à la recherche du moindre élément. Et là, évidemment, on nous a signalé tout un tas de farfelus, d'individus plus ou moins suspects. On est allé à l'hôpital psychiatrique local, voir tous les gens qui ont pu sortir à ce moment-là. On a également fait une chasse à l'homme, une chasse aux détraqués sexuels de la région, comme rarement ça a été fait. La PJ de Perpignan se transforme en fourmilière. À la fin de l'année 98, près de 2000 personnes ont déjà été entendues. 50 placées en garde à vue. Les policiers de Perpignan se déplacent partout en France, et même en Europe, quand des crimes similaires sont commis. On a même eu la police belge qui nous a appelés pour nous dire qu'un témoin assurait avoir vu Tatiana dans un véhicule avec Dutroux. Nous sommes allés en Belgique, nous avons fait des vérifications, nous avons entendu Dutroux. C'était une jeune fille qui ressemblait à Tatiana, encore une fois. Un an après le début de l'enquête, Dominique, l'espoir revient. Oui, le 30 décembre 1998, les pompiers sont appelés au Boulou, c'est à côté de Perpignan. On a retrouvé, le long d'un chemin, des restes humains, un crâne, quelques ossements, une bague. Ce sont les restes de Marie-Hélène Gonzalez, mais ça ne va pas faire progresser l'enquête. Alors, j'ai fait des recherches et d'après les coupures de presse de l'époque, les esprits se sont complètement échauffés à propos de ces crimes. Le New York Times, le Sunday Telegraph, Vanity Fair...
Les journalistes vont échafauder des hypothèses autour des meurtres de Perpignan, parce qu'à Perpignan, il y a l'histoire de Dali qui a peint la gare de Perpignan, qu'il a appelée El Centro del Mundo, c'est une de ses toiles les plus célèbres. Il a peint aussi des femmes décapitées, des femmes éviscérées. Et on va faire le lien entre tout ça, et les journalistes vont échafauder des thèses incroyables en imaginant que le tueur de Perpignan a pu s'inspirer de l'œuvre de Dali. La police judiciaire de Perpignan est sur les dents. Depuis la disparition de Fatima Hidraou, une trentaine d'enquêteurs est mobilisée à la recherche du moindre indice. Fatima Hidraou est une victime de plus, la quatrième. Elle disparaît dans le quartier de la gare le 9 février 2001 vers 18h30. 23 ans, brune, jolie. Nous sommes persuadés que le tueur de la gare vient encore de frapper. Cette disparition soudaine plonge dans l'angoisse sa famille et la population perpignanaise avec. Pour nous, c'est la catastrophe, c'est l'échec ultime. Mais cette fois, la chance sourit aux policiers. Un témoignage les met sur la piste d'un patron de bar, Marc Delpech. 34 ans, marié, père de famille, pas de casier judiciaire. Et il passe tout de suite aux aveux. Fatima a refusé ses avances, il l'a étranglée avant de jeter son corps à la mer, au Cap Béhar, sur la route de l'Espagne. Les plongeurs foncent, ne retrouvent rien. Et pour cause, Marc Delpech ment. Un mois plus tard, le corps de Fatima est retrouvé à 500 mètres de chez lui, à moitié enterré au bord d'un étang, au Canet en Roussillon. Pour moi, c'est une évidence. Il a parlé du Cap Béhar. Il avait déjà, certainement déjà, fait disparaître quelqu'un au Cap Béhar et vraisemblablement ma fille. Oui, on pensait que Marc Delpech avait fait disparaître toutes les jeunes filles. D'autant qu'on avait découvert chez lui donc nombre d'articles de presse qu'il avait découpés et qui parlaient des disparus de la gare de Perpignan. Mais Delpech explique qu'il projetait d'écrire un roman policier. Sur son ordinateur, les enquêteurs tombent sur un texte d'une quinzaine de lignes. Titre du chapitre, Tatiana. 15h30, cet après-midi, le tueur présumé de Fatima entre au palais de justice de Perpignan. Dominique, il écrit quoi Marc Delpech dans son roman ? Écoutez, j'ai ici un extrait du texte que la police judiciaire va trouver dans son ordinateur. Et vous allez voir que, vu le contexte, c'est extrêmement troublant. Le personnage du roman s'appelle Jack. Rue Courteline, les autostoppeuses se faisaient plus rares. Mais devant le café Figuère, une silhouette, grande, brune, aux cheveux longs, 16-17 ans, une poitrine déjà formée, un jean moulant, ça correspondait aux exigences de Jack. On comprend que ça puisse troubler la police judiciaire. Et pourtant, Marc Delpech, c'est pas le tueur de la gare. Non, il a toujours nié et la police n'a jamais pu prouver que c'était lui. Delpech sera donc jugé seulement pour le meurtre de Fatima Hidraou. Juin 2004, trois ans plus tard, l'ombre des disparus de Perpignan plane sur les assises et c'est sans doute pour ça qu'il a été aussi lourdement condamné, 30 ans avec 20 ans de sûreté. Les années et les suspects passent encore. En 2006, tous les scellés des dossiers Mokhtaria et Marie-Hélène sont renvoyés en expertise génétique, sans succès. 6 ans plus tard, en octobre 2013, un autre juge remet ça. Mais cette fois, sur le scellé 44A, la chaussure droite de Mokhtaria, un ADN masculin partiel. 15 ans après les faits, les policiers ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Un
ADN partiel est trop incomplet pour être comparé aux 2 millions de profils recensés par le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Mais il permet au moins de faire des comparaisons au cas par cas. On a comparé avec tous les suspects du dossier, Palomino Barrios, tous les individus qu'on était allé voir à gauche et à droite, qui avaient trucidé le voisin ou l'épouse, etc., dans des conditions un peu similaires. Donc on a comparé tout ça et tout était négatif. Tous les types encore suspects sont écartés. C'est une avancée réelle. Mais cela n'apaise pas la souffrance des familles, rassemblées par le chagrin et la soif de vérité. Parce que quelqu'un la connaît, si quelqu'un l'a vu quelque part, il y a quelqu'un qui doit savoir quelque chose. Ne nous laisse pas avec cette angoisse. Merci. C'est la maman de Marie-Hélène qui un jour vient frapper à ma porte et me dit, voilà, ma fille n'est plus là, mais on est là pour rechercher la vôtre. En fait, on vit avec un fantôme en permanence. Et on ne peut pas faire un deuil parce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est impossible. Parce que ce serait quelque part l'enterrer, peut-être. Et peut-être qu'elle est vivante, même si je sais au plus profond de moi qu'elle n'est plus vivante. À l'été 2014, deux nouvelles juges d'instruction, deux de plus, héritent du dossier des filles de la gare. Sans guère d'illusions, 17 ans après les faits. J'ai lu chaque ligne de chaque PV pour essayer de trouver peut-être un détail qui nous aurait échappé. Et je me suis dit, mais on a déjà tout fait en termes d'investigation. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais à la fin de l'été 2014, la police scientifique récupère au FBI un nouveau logiciel qui peut établir des rapprochements entre un ADN partiel et les millions de profils ADN répertoriés dans la base du FNAEG. Après 17 ans de malchance, les magistrats et les policiers espèrent enfin un alignement des planètes. C'est la dernière chose qu'on peut faire dans ce dossier. Après ça, on est sec. On n'a plus rien. Et là, on a un coup de téléphone qui nous dit, on a un profil, c'est Jacques Ranson. Donc avec notre collègue, c'est tellement incroyable, on se précipite tout de suite sur nos logiciels à nous, on regarde s'il a des antécédents, et on s'aperçoit que Jacques Ranson a été déjà condamné pour viol. On s'aperçoit en plus qu'il est à Perpignan. Comme on dit dans le jargon, il est beau comme un soleil. Jacques Ranson. Un nom qui parle aux anciens de la PJ. Ranson avait été interrogé quelques mois après la mort de Marie-Hélène Gonzalez. Il venait d'être arrêté pour une autre affaire. C'était au mois de septembre 1998. Une jeune femme est dans sa voiture dans Perpignan. C'est minuit, elle rentre chez elle. Et elle voit une voiture qui la suit. Donc là, elle commence un petit peu à avoir peur. Et la voiture la double, lui fait une queue de poisson, l'oblige à se garer. Le conducteur se dirige alors vers elle, un couteau à la main. Mais la jeune femme a verrouillé la portière. Téléphone à son père qui rapplique, qui fait fuir l'agresseur, mais relève le numéro de sa plaque d'immatriculation. Le lendemain, Ranson est placé en garde à vue par les gendarmes. La PJ est alertée et vient l'interroger au sujet de Marie-Hélène Gonzalez. Je n'ai tué personne. Je ne connaissais pas Marie-Hélène Gonzalez. J'ai appris sa mort par ma femme et une copine à elle. Et ça n'ira pas plus loin. C'est évident qu'une fois qu'on a la solution dans une affaire, c'est très facile de refaire l'histoire et de dire « Ah, mais oui ». Mais malheureusement, on n'a pas d'éléments à lui mettre sous le nez pour arriver. Il nous faut des aveux dans une affaire comme ça. 17 ans plus tard,
À la lecture du PV d'audition, les policiers relèvent que Jacques Rançon est arrivé à Perpignan en septembre 1997, quelques semaines avant la mort de Mokhtaria. À cette époque-là, il demeurait dans une chambre au Hôtel du Berry, à vue de la gare à Perpignan. Donc à 100 mètres de la gare, un hôtel qui est situé à quelques mètres de la rue Courteline, donc sur le parcours emprunté par nos victimes. Peut-être une nouvelle énigme judiciaire en passe d'être résolue grâce aux progrès de la science. Depuis hier, un homme est en garde à vue à Perpignan, confondu grâce à son ADN retrouvé sur une des victimes. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas impliqué dans plusieurs affaires. Jacques Rançon est interpellé le 14 octobre 2014, sans résistance. Il est placé en garde à vue pour le meurtre de Mokhtaria Shaib, le seul crime pour lequel les policiers ont son ADN. Mais ça, ils ne lui disent pas encore. Il commence en douceur. Effectivement, c'est un gars qui vit dans une chambre, dans un foyer, avec très peu de revenus, puisqu'il ne travaille pas, il est sorti de prison depuis peu, et il vit surtout des aides sociales, quoi. Voilà 5 ans que le capitaine Vincent Delbreuil porte à bout de bras le dossier des disparus de la gare. C'est donc lui qui sera le chef d'orchestre des auditions. Quand on le voit la première fois, il donne l'impression d'un homme comme les autres, hein, d'ailleurs comme beaucoup de meurtriers. Quand on les voit comme ça, jamais on ne devine que c'en est un. Pour Gilles Soulier, désormais patron de la PJ régionale, c'est l'affaire de sa vie qui touche peut-être à sa fin. Alors évidemment, ça fait 17 ans qu'on l'attend. Donc c'est sûr que émotionnellement, c'est un moment qui est quand même important. Et là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un sous ses aspects un peu rustres, etc., mais qui répond parfaitement aux questions. Quand on lui parle, des choses qui ne gênent pas. Dominique, de quoi Rançon accepte-t-il facilement de parler ? De son enfance. Il a grandi à Aille, en Picardie. Il raconte aux enquêteurs une enfance heureuse, normale, entre un père bûcheron, une maman qu'il décrit comme un peu bébête. Il dit, de temps en temps, elle me collait des branlées quand je faisais des bêtises. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il a grandi dans un milieu pauvre, avec des parents analphabètes. J'ai ici le témoignage de son instituteur qui raconte qu'un jour, Jacques Rançon est arrivé à l'école avec un short qui avait été taillé dans un pantalon de son père. Il était tellement ridicule que toute la classe a éclaté de rire. Il raconte une autre anecdote. Le jour où les enfants arrivent avec un petit casse-croûte à midi, eh bien, Rançon, lui, il a une boîte de conserve. Il a des frères et sœurs ? Il en a 13, hein, tous placés, sauf lui, mystérieusement. Rançon, il a grandi avec ses parents. Il a grandi dans une espèce de baraquement en bois. Il dormait dans la chambre de ses parents et il y a dormi jusqu'à l'âge de 18 ans. Il dit quoi de sa vie adulte ? Il a eu plusieurs compagnes qui lui ont donné 4 enfants. Hein. Sa dernière femme, Lolita, avait 16 ans quand il l'a rencontrée. Lui, il en avait 44. La juge dit qu'il est beau comme un soleil quand elle découvre son casier. Il y a quoi dedans ? Bah, y a une lumière pour la police, enfin. Regardez bien, Rachid. 1992, viol d'une jeune femme dans la Somme. Il prend 5 ans. Il ressort en septembre 1997. Il va s'installer à Perpignan. Un an après, septembre 98, nouvelle arrestation, c'est l'histoire de la jeune automobiliste qui l'a agressée. Hein. Il va faire 9 mois de prison et il ressort ici en juin 1999. Il retourne dans la Somme, il ne va pas rester tranquille longtemps. 2 mois seulement après, il tente d'étrangler une femme de 23 ans. Elle reprend connaissance au moment où il charge son corps dans le coffre de sa voiture. Nouvelle condamnation, 5 ans de prison. Il ressort en janvier 2003 et à sa sortie, il s'installe à Perpignan. Et c'est là qu'il rencontre Lolita. Pendant 8 ans, il n'y a rien à signaler. Mais le naturel revient au galop. Quand Lolita le quitte en 2012, il la harcèle, il la menace de mort. Il est arrêté, il est condamné. Cette fois-ci, on prend son ADN et son ADN est versé au fichier. Interrogé sur les viols et les agressions sexuelles qu'il a commis dans sa jeunesse, Rançon répond donc sans ambages.
Ce qu'il en ressort, c'est quand même à chaque fois, c'est qu'il menace ses victimes avec un couteau en les voyant par hasard. Et en fait, il a envie d'elles, ce qu'ils ont dit. Donc, il a une pulsion, elle nous parle de pulsion, et qu'il a envie de leur faire l'amour, comme il dit. Pourquoi un couteau ? Pour me sentir plus fort, faire peur. Son type de femme ? Toutes. Avec des gros nichons, plutôt jeunes. Mais Rançon concède que les rencontres sont rares. Il ne sait pas aborder les femmes. Quand on est arrivé à la quatrième audition, quand on lui a parlé de Moctaria, il dit « Oui, je me rappelle cette affaire, dans le journal, il y avait sa photo, etc. Hein » Rançon le jure sur la tête de ses enfants. Il n'a jamais rencontré Moctaria. Alors son ADN sur sa chaussure, il comprend pas. Là, je vois Jacques Rançon beaucoup plus sur la défensive, un peu mis en défaut, il sait pas trop quoi répondre. Et on sent les enquêteurs, bon, la pression monte, hein. Le ton change, mais il reste sur ses positions. Il n'était pas là, il n'est pas concerné, il a jamais vu cette fille. Voilà plus de 30 heures que Jacques Rançon est en garde à vue, et toujours pas d'aveu. Alors les policiers tentent un coup. Ils l'emmènent dans le quartier de la gare, et notamment rue Ningesser et Colli, où l'on a retrouvé le corps de Moctaria. Pour être honnête, Rançon, sur place, il reste impassible. Il dit non, truc. Et quand on rentre au service, on est un peu pessimiste sur les dernières heures, puisque la garde à vue se terminait le lendemain midi. Et donc je rentre chez moi, avec un rendez-vous pris pour le lendemain matin, et je vais être rappelé assez rapidement pour revenir à la PJ. Bon, on l'a eu au repos, mais on l'avait autorisé à fumer. Certains enquêteurs sont allés fumer avec lui, l'ont accompagné, ce qui est classique. Hein. Et c'est une enquêtrice, hein. C'était la seule femme d'ailleurs de l'équipe à cette époque-là, qui au détour d'une conversation, alors en lui parlant de ses enfants, en lui parlant de que sais-je, en tout cas, va l'amener à fléchir sa position et à reconnaître les faits. Jacques Rançon a craqué. Enfin. À 2h54, on le sort de sa geôle pour une sixième et ultime audition. Cette fois, c'est la bonne. Et donc, il va être entendu pendant 2h ou 2h30. Et là, on voit quelqu'un qui se libère. Jacques Rançon raconte en détail ce samedi 20 décembre 1997. La pluie qui tombait ce soir-là. Le blouson en cuir marron de Moctaria. Il nous dit qu'en fait, il se promenait sur ce boulevard. Il redescendait en fait depuis le haut. Et sur le trottoir opposé, au niveau du terrain vague, il voit arriver donc cette jeune fille. Là, il traverse la rue, il s'approche d'elle, il la menace avec un couteau, tout de suite. Il l'amène sur le terrain, là, sous la menace du couteau, il l'oblige à se déshabiller. Et il commence à vouloir la violer. Il va la tuer parce qu'elle crie. Et elle dit « je vais appeler la police », elle se débat. Et donc il dit « elle reculait sur les coudes » et donc du coup il n'a pas réussi à la violer. Il a tenté mais il n'a pas réussi à la violer. Il va la tuer parce que justement elle ne se laisse pas faire. Jacques Rançon explique qu'il a mutilé Moctaria sur place, avec son couteau à lame repliable, à la lueur de la pleine lune. Pour pas qu'on retrouve mon ADN, j'ai mis ce que j'avais découpé dans un sac plastique. C'est une explication, je pense, entre guillemets, de confort. Ça permet de donner une utilité, en fait, à l'acte. Encore une fois, il n'est pas parti avec un bras ou un pied. Hein. C'est quand même des zones sexuées. Elles sont pas, les endroits choisis ne sont pas neutres. Et il y a certainement un plaisir sous-jacent à ces découpes. Le sac dans une main, les chaussures de Moctaria dans l'autre, Jacques Rançon a quitté le terrain vague. Le sac,
il l'aurait jeté dans une bouche d'égout derrière la gare. Avant de rentrer, sans paniquer, sans croiser personne, dans sa chambre d'hôtel. C'est tombé sur Mokhtar Yachaïm, ça aurait pu tomber sur une autre. C'est un opportuniste. Nous, on reste glacés quand on le voit, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et on est effrayés parce qu'on se dit, première chose, qu'en fait, il était là, tout ce temps. Il vivait à Perpignan, dans un secteur pas très éloigné de la gare. Et que, en fait, on l'avait sous la main. Et puis, il ne correspond pas du tout au profil que l'on avait imaginé. Bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire des disparus de Perpignan, l'homme placé en garde à vue depuis avant-hier, a avoué le meurtre d'une des jeunes femmes commis en 1997. C'est un dossier qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis évidemment, quand on reçoit les familles régulièrement au service et que malheureusement, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à leur dire, je vous garantis que ce sont de longs moments de solitude. Jacques Ranson est mis en examen pour le viol et l'assassinat de Mokhtar Yachaïm. L'arrestation du tueur fait la une de la presse. Et devant ce visage aux dents gâtées qui s'affiche dans les journaux, une femme manque de défaillir. Quelques jours après la mise en examen de Jacques Ranson, Sabrina contacte la police judiciaire. Elle a reconnu l'homme qui a failli la tuer 16 ans plus tôt, le 9 mars 1998, au pied de son immeuble. Elle dit, mais je suis sûr que c'est lui, celui qui, ce soir-là, m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum en me disant qu'il allait m'égorger. Mais c'est lui, c'est sûr. Alors là, on était un petit peu surpris parce que cette affaire-là, j'ai eu connaissance. Cette affaire-là a été traitée par le commissariat qui a transmis une enveloppe de recherche au parquet quelques mois après et l'affaire a été classée. La difficulté, c'est qu'à l'époque, la police judiciaire n'est pas informée de cette affaire-là. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'affaire de fille de la gare au mois de mars. Puisqu'on est entre Mokhtaria et Marie-Hélène. Et je rappelle que dans Mokhtaria, toutes les investigations se dirigent sur Palomino Barrios. Donc il n'y a pas de raison de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Sabrina raconte. L'homme ivre sous le porche de son immeuble. Les coups de couteau. La mort si proche. Le traumatisme. Inaltérable. Elle dit des choses incroyables, c'est-à-dire que ensuite elle est devenue maman. Elle avait une cicatrice au niveau de l'abdomen extrêmement importante. Et quand elle était enceinte, elle avait peur que la cicatrice lâche. Et c'était son angoisse pendant ses grossesses. On aurait pu, à ce moment-là, arrêter Jacques Ranson. Lorsqu'il agresse Sabrina, il lui dit « Je viens de fêter mon anniversaire aujourd'hui avec des amis à Saint-Charles où je travaille. » Donc on aurait pu, par une simple recherche, en se rendant à Saint-Charles, savoir qui avait fêté son anniversaire ce jour-là. Et aussi constater que Jacques Ranson n'habitait qu'à quelques dizaines de mètres de Sabrina. Terrible raté. Et trois mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez disparaît et est retrouvée morte avec les mutilations que l'on sait. Ce dossier, on ne sait pas pourquoi, au lieu de déboucher sur une ouverture d'information judiciaire, va faire l'objet d'un classement sans suite. On ne sait pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner. Et on n'a pas réussi à retrouver l'identité du parquetier qui a signé ce classement sans suite, parce qu'il y a juste une signature, il n'y a pas de nom. Voilà, on ne sait pas qui a classé et encore moins pourquoi. Quelques semaines plus tard, Sabrina désigne Jacques Ranson au milieu d'une planche photo, sans la moindre hésitation. Extrait de prison pour une nouvelle garde à vue, l'homme finit par avouer à la troisième audition. Quand il l'a vu,
Il s'est dit, je vais me la faire. Je vais lui faire l'amour. La violer. Mais moi, je dis, lui faire l'amour. La tentative de meurtre sur Sabrina est prescrite. Le dossier est clos depuis 17 ans. Mais la justice va rompre cette prescription en vertu d'une jurisprudence déjà utilisée dans le cas Fourniret. Ce principe de connexité permet en effet de rapprocher des faits qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de crimes similaires. En juin 2015, Rançon est donc mis en examen une deuxième fois pour l'agression de Sabrina. Et la justice va maintenant aller le chercher sur le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. On voulait vraiment qu'il reste dans cette logique d'aveu, et donc tout de suite on le reprend, parce qu'effectivement, sur Marie-Hélène, on n'a rien. Pas un ADN, pas un témoignage, rien. Comme j'ai dit Jacques Hanson, de toute façon, au point où on en est, on a Moctaria, on a Sabrina. Je lui explique également qu'on a en face aussi de nous des familles de victimes qui, depuis des années, attendent des réponses. On n'a même pas eu besoin de discuter. Tout de suite, il nous a dit « oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai tuée ». Tout de suite, c'était première audition, donc il passe aux aveux. Dans la foulée de ses aveux, la juge organise une reconstitution du crime de Marie-Hélène. J'ai assisté dans ma carrière professionnelle à de nombreuses reconstitutions et aucune ne m'avait marqué comme celle qui a été faite pour le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. Quand on demande à Rançon de refaire le crime de Marie-Hélène Gonzalez, il se précipite comme un fou sur le mannequin, arrache les vêtements qui avaient été mis sur ce mannequin. Il est agressif. On a l'impression qu'il revit ce qu'il avait fait à l'époque. Au mois de juin, comme à l'époque. Il fait chaud comme à l'époque. Sauf que là, Jacques Rançon, il arrive, bon, il a quelques mois de détention dans les jambes, il a pris du poids. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il y trouvait le moindre plaisir, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, mais pas du tout, à aucun moment. Pour interrompre les hurlements de sa victime, Rançon s'est emparé d'un câble dans le vide-poche. Et il l'a étranglé. À certains moments, il y avait son regard se voilait, il basculait. On était avec lui en 98, quoi. C'était vraiment ça. Et on a compris aussi l'effroi qu'a pu ressentir Marie-Hélène. Rançon sort alors le corps de la voiture pour le découper à la lumière de la lune et du plafonnier. Il nous explique qu'il a mis dans des sacs poubelles qui se trouvaient dans sa voiture les mains et la tête. Et qu'en roulant sur une route, il avait jeté par la fenêtre les sacs contenant ces morceaux de corps. Et Rançon confesse un détail macabre qui stupéfie les policiers et les magistrats. Il dit, mais pourtant, je me souviens que j'avais les cheveux qui s'étaient pris dans des épineux et ses pieds dépassaient sur le sentier et donc j'étais convaincue de lui avoir coupé les pieds. Ce qui est quand même pas un détail anodin. Et s'il le dit, c'est que... Surtout que, encore une fois, la zone n'a pas changé, il n'y a pas d'épineux à cet endroit-là. Donc manifestement, il parle d'une autre scène de crime. Un autre crime, qui ne peut pas être celui de Tatiana Andujar, la dernière des disparues de la gare de Perpignan. Puisqu'en septembre 1995, Jacques Rançon était en prison à Amiens. Pour Moctaria et pour Marie-Hélène. C'était un sentiment de satisfaction totale pour la famille, les familles des victimes. Et en même temps,
J'ai eu un moment de égoïstement de me dire mince, je vais être toute seule maintenant. Voilà, il ne reste plus que Tatiana. Une quatrième victime, Nadjet, rejoint en revanche Mokhtaria, Marie-Hélène et Sabrina. Car les policiers ont retrouvé une agression sexuelle non résolue, 4 jours après l'arrivée de Rançon à Perpignan. Et là encore, il avoue, c'est bien lui qui a agressé cette femme de 18 ans en septembre 1997. L'heure du jugement sonne le 5 mars 2018, 20 ans après la mort de Mokhtaria. La foule se presse au procès de Jacques Rançon. La cour d'assises de Perpignan a été spécialement réaménagée pour l'occasion. Tout le monde veut voir le monstre. Il a cette espèce de t-shirt orange qui fait penser à un prisonnier américain. Il a ce visage cireux, un peu jaune, effrayant. Puis surtout, vous pensez aux victimes. Vous pensez à celles qui ont vu cette face épaisse comme étant la dernière image de leur vie. Et là, forcément, ouais, c'est quelque chose d'inoubliable. À quelques mois de la retraite, l'avocat Étienne Nicolo va pouvoir porter, in extremis, la parole de toutes les victimes. Pendant 20 ans, je me suis battu aux côtés des familles pour que l'on sache la vérité. On y est arrivé. On y est arrivé. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'ait toujours pas découvert ce qui est arrivé à Tatiana Andujar. C'était très important pour moi d'être à ce procès. Marie-Hélène, c'était un peu ma deuxième fille. C'était terrible pour sa famille. Donc je ne pouvais pas ne pas être là. Mais ça a été le procès de l'horreur. Vraiment, ça a été le procès de l'horreur. Dans le box, celui qui se décrit comme malade fait pâle figure. Dans 4 jours, l'accusé fêtera ses 58 ans. Il apparaît ravagé après ses 3 ans et demi de détention. Quand il prend la parole, quand vous entendez sa voix, un peu éteinte, un peu cet accent picard, vous êtes pendu à ses lèvres, quoi. C'est-à-dire, vous attendez de voir ce qu'il va dire, et il dit que des banalités, quoi. Le mystère Jacques Rançon demeure, effectivement. Et c'était l'objectif aussi de cette cour d'assises, que de pouvoir approcher ce mystère. Et je crains que nous soyons encore sur notre fin. Quoi. La psyché de Jacques Rançon reste un angle mort, dont les experts psychologues et psychiatres ont pu éclairer certains recoins. Jacques Rançon, c'est un psychopathe. Voilà, un vrai de vrai. Sans où on a une absence totale de culpabilité, une banalisation des actes, une impulsivité terrible, une répétition des actes, et une absence totale d'empathie pour le mal qu'il a pu faire. L'instruction a montré qu'il avait commis sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Une fille de la Somme qu'il a essayé d'étrangler. Une affaire restée sans suite. Mais c'est sans doute dans les tréfonds de son adolescence que réside une partie du mystère. Les filles ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais le petit malheureux du village. J'étais donc pauvre, pas aimable, pas beau. Et donc, je vais essayer de voir si une fille veut bien jouer avec moi. Elle est là, la quête de Rançon. C'est une quête impérieuse. Jamais le mot viol n'est prononcé chez lui. Donc, soit elle me laisse lui faire l'amour, soit elle se refuse. Et à ce moment-là, elle me renvoie au pauvre petit malheureux que j'ai toujours été. Et la blessure narcissique est tellement insupportable que je vais la tuer pour effacer ce regard dépréciatif. Et ses découpes, ses mutilations post-mortem.
Je pense qu'il est parti avec ce que moi j'ai appelé des trophées. C'est-à-dire que je n'ai pas pu me rendre maître de cette femme, donc je pars avec ses attributs sexuels, ce qui est une autre façon de la posséder. La cour ! Les jours d'audience s'écoulent. Et au fil du procès ressurgit la mémoire de toutes les victimes, superbes, dans leurs 20 ans. Il y a des moments dramatiques lorsque défilent sur l'écran les photos de ces jeunes femmes pleines de vie qui montrent ce qui est parti, ce qui a disparu. Je me souviens d'un moment particulièrement troublant et émouvant. C'était un petit film qui avait été fait lors d'une fête où Mokhtari a participé. Et la première scène, c'est cette image de dos et elle se retourne. Et là, effectivement, il y a un frisson qui parcourt la salle parce qu'elle nous regarde. Et je demandais à Jacques Ronson, je dis « Regardez-la, elle nous regarde. Qu'avez-vous à lui dire ?» Maladroitement, il a dit que ça lui déchirait les entrailles. Ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Sur un ton mal assuré, Ranson relate ses crimes dans un silence de cathédrale. Et face au regard absent de l'accusé, la haine et la colère explosent. Il y a des moments marquants. On a quand les frères de Marilyn Gonzalez et le frère de Mokhtari Achaïb passent par-dessus la rambarde, se jettent sur le box pour tenter d'attraper Jacques Ranson par les petites fenêtres qu'il y a dans le box. Les policiers s'interposent, d'autres arrivent en renfort. L'incident ne dure que quelques minutes, mais dans la salle d'audience, c'est l'émoi. Quand on a des parties civiles qui viennent s'en prendre physiquement à un accusé dans son box et que strictement personne ne réagit, et notamment pas le président de la cour d'assises, voilà, on n'est pas au cirque, on n'est pas... c'est pas un pugilat, on est devant une cour d'assises, on est censé rendre la justice, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis vient le moment où Sabrina monte à la barre, la victime oubliée. Là, c'est le moment, je crois, le plus déchirant du procès, parce qu'on a une survivante qui, en fait, revit ces moments-là qui sont d'une violence extrême et qui, en plus, moi, je l'ai ressenti comme ça, mais c'est vraiment ça, qui parle pour les autres, celles qui ne sont plus là pour parler. Cette douleur qu'elle a déversée à la barre, c'était sincèrement insoutenable. Insoutenable. Après un réquisitoire sans surprise et un exercice de défense impossible, la cour d'assises de Perpignan se retire, puis rend son verdict. Verdict attendu, programmé depuis très longtemps, perpétuité bien sûr, avec une peine de sûreté de 22 ans, ce qui est le maximum légal, et il n'a pas fait appel. Pour un résultat dont on savait que de toute façon, il ne serait pas bien différent. Voilà. Il a détruit la vie de ma fille. Et aussi la nôtre. Il a détruit notre vie et celle de ses frères. Et pour nous, au même moment, on va vivre le restant de notre vie avec l'image et le nom de celui qui a enlevé et assassiné notre fille. À titre personnel, vraiment une affaire marquante parce que également il y avait notamment la mère de Marilyn Gonzalez qui passait nous voir régulièrement au service. Et en sortant, elle m'a fait signe, je suis allé la voir. Et cette femme m'a serré dans ses bras en pleurant et en me disant merci. Voilà. Je me dis rien que pour ça, tout le travail, toutes les années qu'on a passées, voilà, la récompense, elle était dans ces quelques secondes-là, dans les bras de cette femme en train de pleurer et me disant merci pour sa fille. Voilà. Donc à partir de là, le travail était fait, quoi. La perpétuité. Mais le parcours judiciaire n'est pas terminé pour Ranson. Lui aussi, il a un chiffre noir. Oui. Dans le jargon des criminologues, le chiffre noir, ce sont les crimes qui ont échappé à la police. Et quand on connaît Jacques Ranson, son mode opératoire, la fréquence de ses attaques,
on est en droit de se poser des questions. Je vous rappelle qu'entre sa sortie de prison en 1997 et son arrestation un an plus tard, il attaque tous les trois mois Mokhtaria, Sabrina, Marie-Hélène Gonzalez, plus cette femme qu'il a agressée dans sa voiture. Et dès sa sortie de prison, il revient dans la Somme où il tente d'étrangler une jeune femme après seulement deux mois de liberté. Et il se réinstalle à Perpignan en 2005. Et là, plus rien. Alors, Jacques Ranson explique que s'il n'avait pas rencontré Lolita, avec laquelle il a vécu pendant 8 ans, c'est sa phrase, Dieu sait s'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres meurtres. Et avant le premier viol en 92, deux avocats spécialisés dans les affaires de cold case, Didier Seban et Corinne Herman, vont travailler sur des dossiers anciens, dont un meurtre et un viol en 1986, dans la Somme, d'une jeune femme qui s'appelait Isabelle Ménage. Et la justice a accepté de rouvrir le dossier ? Oui, bien sûr. Le corps d'Isabelle Ménage a été exhumé. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a procédé à une autopsie et a observé des mutilations génitales sur son corps qui pourraient être la signature de Jacques Ranson. Jacques Ranson a été entendu. Il dit que c'est son premier crime. Il a avoué le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage avant de se rétracter. En juin 2019, il était mis en examen pour ces deux crimes, viol et meurtre, et il devra en répondre devant une cour d'assises. En prison, Jacques Ranson est à l'isolement, sans visite, en dehors de celle de ses avocats. Il dit parfois qu'il aimerait revoir Perpignan, mais c'est plutôt la cour d'assises qu'il devrait revoir encore.